Ce livre n'est pas seulement un livre de recettes, mais aussi le fruit d'une série de techniques pour l'exercice mental qui combat par exemple l'Alzheimer. Ses auteurs dépassent dans certains cas les 80 ans. Et au travers de l'atelier de mémoire de la municipalité de Las Gabias à Grenade, ils se sont rappelés des recettes de leur jeunesse, qu'ils ont reportées dans elle à l'Ignodomi Memoria. Empezaron a contarme la receta y ya lo tomamos como una actividad más de recordar una receta antigua que hicieran ellos pues con sus padres o con su abuelo. Es muy antigua, vamos, para mí, porque la hacía mi madre y me gusta mucho y a mi gente, a todos. El pollo en pipitoria. En tout, plus de 150 recettes ont été recueillies au travers des témoignages et des souvenirs des habitants et des habitantes de la localité, dont une cinquantaine ont été publiées dans ce livre. Resaltar, por ejemplo, las torticas de los viernes. Bueno, el que más recuerdo más antiguo son las gachas con miel de caña, de mi madre, que me encantaba. Pues pastel de carne o pastel de bacon, así lo llamo yo. Ce livre de recettes a été une activité de plus de cet atelier qui continue de se célébrer. Una de las principales tareas que trabajamos es la prevención del Alzheimer. Y otra de ellas, pues, es las capacidades cognitivas a través del aprendizaje. De temps en temps, il goûte quelques-uns de ces plats qui apparaissent dans le livre. Guisadillo de patata, ya estáis viendo qué buena cara tiene, porque lo importante es que tenga el cardito espeso y lo tiene muy espesico. Sans aucun doute, une bonne manière d'utiliser la mémoire. Se le echa su pimiento con ni cabra.